Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui les gars, let's go, continuons notre aventure les gars. Donc début de la semaine, début de nouvelle semaine. Donc voilà, si vous n'êtes pas au courant, hein, je vais tourner comme d'hab 3 EP d'un coup. Donc le 12, le 13 et le 14. Et du coup on est parti, c'est le premier pour moi. Donc let's go, donc encore une fois n'hésitez pas, hein. Petit abonnement sur YouTube, le petit commentaire, le petit like si vous aimez la vidéo, ce serait super plaisir. Donc bref, on est parti. Donc là, ascension du temple, hein, vous l'avez deviné. Vous l'avez deviné, donc là c'est parti, hein. on va aller tout en haut les gars. On va aller tout en haut, aller justement voir Alphonse au temple, bien sûr, bien sûr. Enfin, le fameux saut bateau, hein, qui nous, avec une mystérieuse voix, hein, qui nous a dit viens, 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 viens mon ref, on est bien. Donc voilà, donc du coup, let's go, let's go, let's go. Donc on est parti pour une grosse ascension. J'aimerais bien, je vous cache pas, faire l'ascension ensemble dans cette EP. Ça serait bien parce que deux EP pour ça, ça risque d'être assez chiant, je pense. Donc donc voilà, mais on va voir un petit peu. Alors en vrai, de mémoire, enfin, de mémoire, disons que quand je l'ai fait, tu vois, de mon côté, j'ai trouvé ça effectivement relativement long. Mais bon, après, maintenant que je connais la route, peut-être que désormais, ça va être plus court, on va voir. Bon, là, du coup, les soldats se font péter le fiac, visiblement. Ouais, ils sont décidés aussi à m'attaquer. Ok, ok. Toujours ma barre d'endurance qui est waouh dégueulasse. Oh merde, alors là, oh putain, il y a encore des soldats là. Bon, on n'oublie pas, hein, les soldats, hein, on se prend un dégât, souvent on est mort, hein. Clairement c'est la difficulté de Tears of the Kingdom, bien évidemment. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Hop. Oh. Oula, attention, attention, attention. Là, il faut que j'élimine celui-là qui a trois yeux là. Tiens, on peut claquer, hein, nos flèches, hein, y a pas de problème. Nos flèches, c'est pas un malaise, les gars, parce que on va en avoir beaucoup, vous allez voir. Là, c'est pas encore un problème. Matraque. Ah ouais, c'est une bombe quoi. Oh putain. Oh merde. Oh la pire idée. Oh l'idée de merde. Ok, ok. Ah, l'idée bien gaze. C'est terrible ça. C'est terrible. Ok. Bon, let's go. Alors là, du coup, ça. Voilà. Donc ça, c'est clairement la difficulté. C'est que... Alors j'avais réussi, tu vois. Logique, j'ai envie de te dire. J'avais réussi, mais... Mais c'est vrai que j'avais peut-être pas pigé le truc, tu vois. J'avais peut-être pas pigé le truc. Donc là, du coup, aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, je vais tenter quelque chose. Pourquoi pas tenter une connerie du genre, hein. Après, il y a ça, là. Il y a ça, ici. Est-ce que si je le mets à l'intérieur, ça marche? Du genre inter comme ça. Il y en a un deuxième là. Si je mets genre les deux à l'intérieur. Ouais, mais au final ça va juste me monter en haut. Ah, quoique, en vrai me monter en haut c'est pas grave. Moi ça me va très bien en soi. En soi ça me va très très bien. Et dans l'idée. What? 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 Pourquoi c'est locked? Ok. Pourquoi je raciste comme ça? Bizarre ça. Bizarre l'ambiance. Oh, ça passe. Ouais, ça passe. Ok, j'avais peur au début, mais ça va, ça passe, nickel. Parfait. Bon, évidemment, qu'une batterie, hein, ça pue la merde. Forcément.
Forcément, niveau rendu, hein, c'était pas top, mais ouais, d'accord, ok, c'était comme ça, voilà, c'est une des manières, voilà, moi comme ça, petit tips, les gars, vous avez vu, voilà, si vous commencez à peine Tears of the Kingdom, ou à la limite, vous n'avez pas encore fait cette zone, c'est vrai que ça marche aussi, si vous n'avez pas fait cette zone, bah écoutez, voilà, petit tips, hein, au cas où, parce que c'est vrai que quand je l'avais fait la première fois, tu vois, ah, pas que j'étais bloqué, hein, on va pas utiliser ce mot fort là, mais c'est vrai que ça m'a posé problème quand même, tu vois. Ça m'a posé quand même un peu problème. Parce que je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre, j'avais du mal, genre par exemple là, vous voyez là, j'ai failli pivoter en fait, avec le truc. Et du coup ça m'était arrivé, tu vois. De complètement pivoter, et du coup j'ai perdu les pièces, donc voilà. Petit tips les gars, silence flamme, ça marche bien. Ça marche même très très bien, même. On va pas se le cacher, c'était pas mal. Ok, le froid est intense les gars, donc voilà, donc là on a franchi une étape. Là maintenant il fait très très froid, et du coup voilà les gars, le petit tips, nouvelle astuce, hein, je vous avais dit d'acheter une tenue justement, d'acheter le haut des neiges. Ok, on est arrivé à la deuxième partie. Je vais mettre un peu de son parce que c'est vrai que j'ai pas mis de son. C'est pas drôle. J'étais jamais monté aussi haut dans le ciel. Le vent est glacial, t'as vu? Moi ça va, j'ai mes plumes. Mais fais attention à toi, il faut que tu te protèges contre le froid. Et oui! Voilà, donc Babil qui donne les bons conseils. Donc voilà, du coup il faut aller deux trucs désormais, hein, deux pièces de froid. D'antifroid, alors du coup, voilà, c'est marrant, il en faut que deux au lieu de trois. Hein. Enfin, Breath of the Wild, c'était la même aussi. Hein. Et en vrai, c'est logique, hein. Si vous savez pas pourquoi il en faut que deux au lieu de trois, en fait, c'est logique, c'est parce que, en vrai, le truc, c'est que, pour faire un truc perfect, on va dire, ce qui sera très bien à l'avenir, c'est d'avoir le haut, tu vois, en antifroid, et aussi la tête en antifroid. Pourquoi? Parce que comme ça, tu as les chaussures qui sont libres, et comme ça, tu peux équiper, par exemple, des chaussures de neige, pour avancer plus vite dans la neige. Donc c'est pour ça qu'il n'y a besoin que deux antifroids au lieu de trois. À la base, c'est fait pour ça, quoi. Parce que sinon, dans certaines zones, tu peux jamais utiliser les bottes de neige, et là, bah ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Bon, je vous l'accorde, nous n'avons pas les bottes de neige, malheureusement, hein. Je me permets de vous le dire parce que les bottes de neige, voilà, ils étaient déjà présentes dans Breath of the Wild. Sanctuaire Kata nommé. Donc c'est parti, nouveau sanctuaire les gars. Donc go le faire. Go le faire, sanctuaire qui permet également d'avoir un petit checkpoint. Bon, je vous cache pas, hein, ce checkpoint là, voilà, il ne sert qu'à une chose. C'est pour les gens en gros, vous savez, c'est pour les gens en fait qui n'ont pas pensé à prendre un deuxième, à trouver une deuxième tenue en fait, de froid quoi, d'antifroid. Ouais, c'est juste pour les gens là quoi. Parce que sinon hormis ça, elle sert à rien. Donc bénédiction de Roru. Alors je sais pas si on en a déjà vu des sanctuaires comme ça. Je sais plus les gars. Grand orbe d'énergie, donc temporairement limité. Donc ça c'est génial les gars, vraiment. Ça pourra nous aider quelques fois, vous verrez. C'est plutôt sympa. Mais je sais pas si on avait déjà vu ça ensemble. Les bénédictions de Roru. Donc en gros il y a pas mal de sanctuaires. Hein, parce qu'on va dire pas mal, parce que c'est vrai que j'en ai vu quand même pas plus que un, hein, de ça. Qui en gros, bah voilà, c'est sanctuaire à la con, ou c'est en gros en mode, bah on te le donne. Voilà, y a rien. Donc en vrai, c'est un peu dommage, mais à la fois pas, parce que bon. Encore une fois, voilà, comme je vous le dis, c'est qu'on va pas se le mentir, ces sanctuaires-là, ah, ils servent un peu à rien, quoi, tu vois. Ils servent un peu à rien, genre c'est vraiment un checkpoint pour dire en mode, si tu crains le froid, si t'es vraiment dans la merde à ce moment-là, si tu t'es pas préparé en amont, bah tu peux te barrer maintenant, quoi, tu vois. Ça sert vraiment qu'à ça, tu vois. Sinon, c'est inutile de fou. Donc c'est parti, on monte, let's go. On se rapproche, les gars, hein, comme vous pouvez le voir, on se rapproche. Oh, en vrai, on va largement y aller, hein. Honnêtement, tu vois, j'avais un doute, mais finalement, ouais, non, c'est très court. Finalement, c'est très court. Comme prévu à la base, mais j'avais un petit doute parce que je me suis dit bon, c'est vrai que la première fois que je l'avais fait, ouais, bah, j'étais un peu en mode waouh, pas mal quand même, pas mal long, mais en fait non, pas du tout. Il y a vraiment que Zelda que ça me fait ça, hein, c'est incroyable. Il y a vraiment que les Zelda que ça me fait ça à chaque fois. Ce sentiment en mode, tu sais, quand je le fais la première fois, que genre je me dis waouh, c'est long, et en fait non. Et en fait, en réalité, quand tu connais, c'est pas du tout long, tu vois.
Genre là, on est presque arrivé déjà, les gars. Donc c'est parti, on va atterrir ici, bien évidemment. Il y avait peut-être un autre sanctuaire, non? Il n'y en a pas un dernier avant? Je sais pas en vrai. C'était peut-être le dernier, hein, celui-là qu'on a vu. C'était peut-être le dernier. Ouais, parce que là on est arrivé en fait. Là on est totalement arrivé en fait. Parce que là, il suffit juste de monter quoi. Il suffit juste de monter, genre là t'as tous les bateaux qui naviguent entre justement la tempête. Et du coup là, nous, notre but, hein, comme face à l'EP précédent, rappelez-vous les gars, l'EP précédent disait... ah bah tiens, c'est par là qu'il faut aller. L'EP précédent qui nous disait bah, qu'il faut monter très haut et pour aller vers le bas quoi en fait, tu vois. Pour plonger en fait dans la tempête, mais vers le bas. Donc voilà quoi. Il s'en charge, très bien. Alors je regarde en vrai, mais ah, je suis étonné, je pensais qu'il y en avait encore un de sanctuaire, my bad. J'ai dû le rêver. Ouais, parce que de toute façon, on a suivi la... On l'a suivi bien comme il faut, hein. Donc en soi... Même, je vous cache pas que même ce côté-là, tu vois, il me dit rien, j'ai l'impression de l'avoir jamais vu, tu vois. Là, tu vois, ça là, cette partie-là où on est, j'avoue que j'avais pas fait gaffe la première fois, tu vois. J'avais pas du tout fait gaffe. Ah, je regarde, je croyais que c'était un coffre, tu vois. My bad. Je croyais qu'il y avait un coffre, mais même pas. Même pas, même pas. Donc là, on monte et nous sommes presque arrivés. Même quasi, en vrai. Ouais, je regarde, mais il y a un peu rien. Waouh, c'est beau, hein. C'est beau. C'est incroyable. Non, mais je crois que c'est bon. Il n'y a pas de malaise à avoir. Du moins, j'espère. Donc c'est parti les gars, donc là bah, c'est très simple, hein, il faut aller ici, et là, dindin, on le voit les gars, on le voit, eh oui, et là c'est parti, on plonge. Ah tiens d'ailleurs, pour le sport, ah mais bon je vais peut-être un petit peu mourir facilement, j'ai envie de dire. Voilà, temple du vent, et voilà les gars, premier temple du jeu. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes, le premier temple du jeu. Allez, on arrête de faire le con. Le temple du vent, les gars, ça y est, ça y est, ça y est. Eh ben écoutez, ben, on va l'attaquer tout de suite, hein. On n'est qu'à 12 minutes. Voilà, je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. Mais en fait, non. Et en fait, les gars, du coup, temple du vent... alors, c'est bien. C'est que tu vois, là, déjà... Ah, merde, il y avait une cinématique. Merde, je suis trop con. Putain, mais c'est pas grave, j'ai déjà ma mini. Tout va bien. Mais ah, oh, je suis trop con. Waouh, c'était donc ce vaisseau qu'on voyait à travers le nuage. C'est bien l'arche céleste de la comptine. Oh. Hey. Mais c'est la princesse. Mais c'est Zelda. Hein? Ah! Ça alors! Pas de doute, Link. On a trouvé la source de la tempête de neige. Ah, tu m'étonnes. Mais j'ai vu quelqu'un là, à l'instant. Juste là, non. Mais il n'y a plus personne maintenant. C'est vrai, on l'a vu aussi. Ah, la quête qui était mise à jour de Babil, UAG Piaf. Donc voilà ce qu'on voit. Donc voilà ce qu'on voit du temple, et là du coup vous allez comprendre les gars. Donc on actionne ça, voilà forcément, on actionne ça au centre, et là vous allez comprendre. Alors déjà, petit téléporteur qui fait plaisir. Et là... Ah. Ah. Voilà, il n'y en a qu'un qui bouge. Voilà. Impossible de l'ouvrir, mais je suis sûr que c'est ce qui cause la tempête se trouve dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'ouvrir? Ah, c'est encore ce son. Fermé par 5 verrous.
tous les mécanismes qui contrôlent ces verrous avec ton pouvoir, et l'écoutille s'ouvrira. Suis mes instructions. C'était beaucoup plus clair cette fois. Cette voix me parlait à moi. Je suis sûr que la cause de la tempête qui paralyse notre village est sous cette écoutille. À en croire cette voie, l'écoutille s'ouvrira si nous activons les 5 mécanismes qui contrôlent les verrous. Moi, cette voie, j'ai envie de lui faire confiance. On y est presque. Trouvons ces mécanismes, Link. Eh ben, Babil ne dit pas... Enfin, le dit très très bien qu'on n'est pas si loin, les gars. Donc du coup, c'est parti, le premier temple, donc voilà, vous l'avez compris. Pour ce premier temple, c'est très simple, il va falloir choper... Les 5 verrous, les gars, il va falloir choper les 5 verrous, et du coup déverrouiller ça, et, les gars, ça sera tout, tout simplement, ça sera tout. Donc vous allez comprendre pourquoi que là, les temples sont très très courts dans Tears of the Kingdom, mais vraiment. Les temples sont vraiment très courts, ce qui est vraiment dommage parce que tu vois, l'ambiance des temples, genre notamment par exemple celui-là, il est pas mal, tu vois, on est dans le ciel... Petit bateau, bon, ça rappelle un petit peu petit trèfle à Skyward Sword, tu vois, que vu que Skyward Sword c'était aussi un bateau, mais hormis ça, eh ben, y a pas beaucoup de points communs en fait, parce que vraiment, le temple de Skyward Sword défonce celui-là pour le coup. Il défonce Nodif celui-là, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est parti! Donc faut s'occuper des 5 verrous, bon là il faut que je me chauffe un peu parce que j'avoue que... Alors normalement je les connais mais voilà. Forcément. Alors déjà je sais, alors déjà on peut aller n'importe où hein, clairement. Donc déjà on va commencer, alors déjà il y a ça les gars, on peut aller tout en haut. On peut aller tout en haut, c'est même d'ailleurs le dernier que j'ai pris en plus, celui-là la première fois. C'était le dernier que j'ai pris et en gros ce qu'il faut faire bah c'est ça en fait, il faut dégager, enfin il faut ouvrir la plaque. Voilà, faut l'ouvrir comme ça. Et là, comme ça, on peut plonger. On peut plonger, donc on évite les lasers, bien évidemment. Ah, oula, ok. Alors je regarde, ouais, parfait. Et voilà, nickel. Temple du vent, premier sous-sol. Et là, on est devant une turbine. Hé, hey, regarde Link. Ce mécanisme en forme de moulin pourrait contrôler un de ces verrous, non? Et oui, il pourrait contrôler un de ces verrous. Et là... Bah, des fois, tu vois, on peut galérer, en fait. Et en fait, ce qu'il faut faire pour l'activer... Parce que c'est vrai qu'il le dit même pas, tu vois, le jeu. En fait, il faut utiliser Babil, et il faut le faire... Il faut l'actionner droit devant, comme ça. Et là, tac, premier verrou de fait. Premier verrou d'activer. Voilà, tout simplement. C'est un des mécanismes qui contrôle les verrous, Link. Il nous en reste 4. Voilà, et petite voix en plus. Petite VF en plus sur à chaque fois ça, donc voilà, très intéressant, très très intéressant. Hop, hop, là il y a un petit coffre, je sais plus ce qu'il offre le coffre, donc dans le doute. Alors qu'est-ce qu'il donne? Oh, grande lame de soldat attachée lui, en plus on peut non on peut pas, ah non c'est dans le transformer, ah non non on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas, mais bon, bon ça on va pas se mentir, on va le dégager. C'est un peu de la grosse merde. Un peu beaucoup même. Hein. J'ai activé un laser. Je crois que j'ai activé un laser en vrai. Wesh, je m'y attendais pas en vrai que le laser était là. C'est activé ça? Wesh, c'était activé ça sans déconner. Oh merde. Oh putain, ça m'a fait flipper ça. J'ai flippé ma race sans déconner si le canon il est activé. Hein. Waouh! Derm! Dimson les gars. Terrible. Donc on est parti. Le deuxième. Alors du coup, pour un deuxième. Ah, c'était peut-être pas ce côté-là. Si, c'était ce côté-là. Donc le deuxième, on s'accroche. Voilà, parfait. Et on va ici les gars. Il y avait une petite ouverture ici. Hop, vas-y, nickel, nickel. Ok, donc là on va là, ensuite... Ah, dégage,
Donne-moi ce rubis. Tiens. Et voilà. Les perrouillards de golem, ouais, il a rien d'intéressant. Ah, à part la corne. La corne, c'est toujours intéressant, par contre. Ok, donc là, ensuite, les gars, là, on est où, en fait? Est-ce qu'on est pas loin d'un truc? Ah, on est peut-être pas loin du deuxième étage? Parce que là, j'ai l'impression qu'on va monter. Donc, intéressant. Intéressant. Ok, du coup, pour monter... Alors, est-ce qu'on peut monter comme ça? On peut monter comme ça, parfait. Parfait. Alors, là, ça m'emmène ici. On est au premier. Ah non, attends, c'est moins 2. Ah, je suis con. Ah non, c'est pour monter au rez-de-chaussée, alors. Ah, peut-être... Alors, atteindre le truc. Ah, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait une turbine là où on va, mais vas-y. Dans ma mémoire, il me semble que oui, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Ah, une lame de lieutenant. Très bien. Bon, c'est pas une arme ouf aussi, hein, mais bon. En vrai, ça reste toujours un poil plus fort que ce qu'on a, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah oui, ça, putain. Alors ça. Ok. Alors ça, comment j'avais fait déjà? Il me semble que j'avais activé un truc. Voilà. Et je l'avais actionné, je sais plus comment. Oh, je sais plus comment je l'avais actionné. Comme ça. Hein. Putain. Non, ça marche pas. De l'autre côté alors, peut-être? Putain, je sais plus. Il me semblait que j'en avais mis deux. J'en avais mis deux, mais alors là... Ah, ou bien comme ça. Ah oui, voilà. Ah oui, directement, je le faisais chier à rien. Voilà, et là ensuite tu fais ça. Tu fais une rétrospective. Et là il va s'actionner, t'inquiète. Et là tu passes directement. Voilà. Tu passes directement comme ça en force. Voilà, donc c'était ça qu'il fallait faire les gars. En vrai j'en ai mis deux mais il fallait moins de qu'un seul. Hein. Oh bâtard. Ah bâtard, il m'a mis un sale coup. Il m'a mis un sale coup, le boug. Ah, il y avait une turbine, nickel les gars. Il y avait une turbine, impeccable. Hop, voilà. Et boum, deuxième turbine. Ah, il y avait bien une turbine, c'est bien ce que je me disais. C'est cool, parfait. Il nous en manque plus que trois. Il nous reste trois mécanismes. Allez, hop, en route. Et oui, en route. Voilà, donc ça c'est fait, c'est parfait. Il reste quoi? Un au rez-de-chaussée? Il est où? Ah, il est là celui-là au rez-de-chaussée? Ah bah attends, il est tout con. Ah ouais, celui-là du rez-de-chaussée, il est tout con les gars. Vraiment, vous allez voir ça. Vous allez péter votre crâne, tellement que c'est simple. Wesh, qu'est-ce qu'il fout là lui? Tiens. Bien joué ça. Wesh, qu'est-ce qu'il foutait là ce garde en vrai? What the fuck. Alors déjà, ça. Voilà, comme ça. Classique, simple, efficace. Il y a rien à faire, je crois, dans celui-là, non? Celui-là, je crois qu'il y a rien. Et wesh! Putain, je suis trop une merde. C'est terrible. Je suis trop une grosse merde. C'est n'importe quoi. Tiens. C'est lui là avec sa lance là, il m'a niqué.
C'est la lance en vrai qui m'a perturbé de ouf. Hop, lance flamboyante, pourquoi pas. Ça, c'est des flèches, je vais prendre, bien sûr. Je vais prendre parce que des flèches, on prend, bien évidemment, les gars. Trop important, les flèches. Beaucoup trop importantes. Alors, un opale. Ok, ouais, voilà. Il y avait donc bel et bien rien ici, les gars. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était pas là le plus intéressant. Le plus intéressant, les gars, le mécanisme est juste là. Et en fait, c'est tout con. Parce qu'en vrai, on peut peut-être pas y penser au départ. Parce que c'est vrai que moi non plus, j'y ai pas pensé au départ. Hein. Mais une fois que tu le connais, tu sais que c'est tout con. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ça, les gars. Voilà, il faut juste mettre un truc. Et ensuite, tu fais tac. Voilà. En gros, si vous voulez, la manivelle elle est cassée, en fait. La manivelle est cassée, donc faut juste mettre quelque chose. Hein. Pas forcément un stalagmite, hein. Tu peux mettre n'importe quoi, hein, vraiment. Hein. Tu peux être quasi n'importe quoi. Et ensuite, voilà, tu actives le mécanisme comme ça, tout simplement. Donc lui, c'est vraiment le plus easy, hein, lui. Lui, techniquement, en vrai, c'est souvent le premier qu'on fait, normalement. Il est vraiment easy, pour le coup. Plus que deux, Link. On y est presque. Et oui, plus que deux. Plus que deux. Nice, let's go. Alors, plus que deux, il n'y en a plus qu'un au moins un et il y en a un au moins deux. Voilà. Donc, moins un et moins deux. Alors, je sais plus de quel côté j'étais. Je crois que j'étais de côté gauche. Hein. Donc, on va essayer le côté droit. Je crois que côté droit, j'ai pas été encore de descendre. Je sais pas s'il y a une ouverture à droite. Ah oui, il y en a. Largement même. Largement. Est-ce que j'y suis allé ici? Ah, le moins 1 il est là. Ah merde, je suis un con. Ah, je suis un con, ouais, la turbine elle est là. Ah ouais, je suis déjà allé ici. Merde. Ah ouais, je suis déjà allé. Je suis déjà allé, mais pas de ce côté là pour récupérer le coffre notamment. Ça passe pas là, hein, si? Ah si, ça passe. Oh, putain le bâtard. J'ai touché un laser. Oh, un rubis, pas mal. Oh, bâtard. Ah, en fait, j'ai compris. Ah, j'ai compris, en fait, c'est le feu de l'autre. C'est le feu du gardien qui m'a zooké. Oh, le bâtard. Oh, bâtard, il m'a surpris, vraiment. Je m'y attendais pas. Ah, putain. Ah oui, aussi les gars, c'est vrai que ça, j'avais oublié. Il y a une turbine ici. Voilà, il fallait aller tout en bas. Donc c'est là en fait, le moins 2 en fait. C'est... J'avais pas qu'à là. Ah! Ils font chier les gardiens. Enfin les gardiens. Est-ce qu'on peut les appeler comme ça? Je vous le demande. Non, en vrai, c'est parce que le problème, c'est que les robots, eux, plus tu les tapes, et ils vont avoir rien, tu vois, comme... Genre, eux, ça leur fait pas mal, tu vois. Ils s'en battent les couilles. Eux, ils sont là pour abattre, tu vois. Donc moi, vu que je continue d'attaquer comme une sombre merde, bah ça leur fait rien, quoi. Ça leur fait rien. Hop, Babil, viens ici. Viens ici. Et du coup, voilà, la turbine était là. Donc fallait vraiment aller tout en bas, les gars. Voilà, tout en bas au centre, hein, c'est easy. Mais j'avais oublié, c'est vrai. J'avais zappé. Bon, le P va être un poil plus long, les gars. Plus qu'un, c'est fini. Et oui. Bon, il va être un poil plus long parce que voilà, il faut évidemment terminer le temple, les gars, bien évidemment. Et oui, déjà. Hein. Donc vous comprenez maintenant pourquoi. Voilà quoi, les temples, c'est toujours pas ça, malheureusement. Dans Zelda TOTK. Toujours pas ça. Il y a du mieux, hein. Il y a du mieux par rapport à Breath of the Wild. Ça, c'est indéniable. C'est toujours mieux, je trouve, à mon sens. Oula, c'est quoi ça? Wesh. Ah, oh, bâtard, il me tire dessus. Oh, le fils de chien. Wesh. Ah bâtard, ça je savais pas, ça il me tire dessus. Putain. Hop. Tac. Wesh. Sympa ce missile, hein, putain. C'est quoi ça, frérot? Il m'a flingué ce bâtard.
Mais en vrai, j'ai du mal à croire, hein. Vraiment, je les ai activés, c'est pas possible. C'est pas possible. Je les ai activés, sans déconner. Je suis sûr, c'est parce que j'ai activé un laser, et du coup, je les ai activés. Genre, je vois que ça, hein. Vraiment. Oula. Putain, je sais même pas comment j'ai fait pour pas mourir. Ça tient du miracle. Ok. Ok, ok. Ouais, alors, nous sommes... Oui, nous sommes là, c'est parfait. Nous sommes au bon endroit. Oh, il y a un coffre ici. Dégage. Merde, comment je fais... Wow. Attends, est-ce que c'est pas une connerie du genre comme ça, avec Babil? Je pense que c'est ça, à mon avis, hein. Ah, ça passe pas. Oh, je suis trop grand. Mais non. Arrête. Oh, je suis trop grand, frère. Comment je peux faire? Ah, oh, bah, tant pis. Hein. Ah, le bâtard. Ça, c'est chiant. Hein. Vraiment, stalactite, tu te prends un dégât comme ça, ça rend de la merde. Hein. Allez, dégage. Dégage. Dégage d'ici, toi. Bon, ça, les gars, on a retenu les leçons. Voilà, retour en arrière. Forcément. Voilà, classique. Classique, on connaît les gars. Petit retour en arrière. Ah bâtard. Ah bâtard. Tiens. Ah, ça dégage. Le bouclier. Ah, un bâton solide. Ok. Je n'en ai pas vu apparemment des bâtons solides. Ok. Et là du coup les gars. Là du coup ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revenir en arrière. Non attends. Non, là cette fois c'est bon, c'est vrai. Là cette fois c'est le bon sens. Mais ouais, du coup ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire les gars. Voilà. C'est combiner deux pouvoirs. Voilà, on va prendre ça avec Mythe. Alors j'espère que ça va passer, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout que ça passe, mais bon, dans le doute. Ah, il est peut-être trop court. Non, sérieux. Ah, il est trop court. Ah, le bâtard, il est trop court. Ah, déjà, il y a ça aussi. Tant qu'à faire. Ah, merde. Pff, oh, il est épais, celui-là. Ah quoi que, attends. Finalement s'il est plus long, c'est vrai que j'ai pas vu qu'il y avait des stalagmites ici, quel con. Stalactites, stalagmites. Je fais jamais la comparaison. Hop, comme ça peut-être. Ouais voilà, nickel. On a besoin de... ça a pas besoin d'être parfait en vrai. Bon allez, faut juste que ça soit comme ça les gars. Juste que ça permette de tourner tout simplement. Et du coup nous avons les gars la dernière turbine. Et oui, ça y est les gars. Déjà. Voilà. Un temple qui se fait en 15 minutes en soi. Hein. Et voilà. Parfait. Ça y est, Link. On a débloqué tous les verrous. Et oui. Maintenant, on devrait pouvoir ouvrir l'écoutille sur le pont. Allons-y. Et oui. Et ouais. Et ouais. On va pouvoir. Alors, tac. On se tape tout de suite. Voilà, c'est parfait. Et du coup, les gars, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Et oui. Et oui, les gars. Et oui. Il est déjà bien assez tard. Hop. Voilà, on est parfait. Bon, bah les gars, on va s'arrêter là. J'espère que vous aura plu cet épisode numéro 12 de notre aventure sur Zelda Tears of the Kingdom, le Temple du Vent. Il est fait, donc du coup, voilà, prochain épisode, le boss, on va voir quelle gueule il a. Et du coup, voilà, encore une fois, n'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, le petit abonnement sur YouTube, ça va se faire plaisir. Et du coup, à très vite. Allez, ciao ciao les gars, bye tout le monde.